Là, cette boule-là, ici, va se rentrer là-dedans. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer l'anatomie comme un débutant. Alors pourquoi comme un débutant? Bah, parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez forcément quelques jours, au mois ou année de pratique et vous n'êtes pas forcément attardé sur la question de l'anatomie, même si vous avez dessiné des personnages, copié des photos de corps humain par exemple. Mais vous avez toujours, il y a toujours des zones d'ombre en fait quand vous allez copier. Donc cette vidéo est faite pour ceux qui s'intéressent au dessin du corps humain et éprouvent toujours des inconforts au moment de dessiner. Voilà. Alors par quoi commencer? Alors c'est sûrement le cas pour vous. J'ai toujours eu du mal à dessiner facilement les corps au niveau du bassin et j'ai également remarqué d'autres zones difficiles pour moi. Donc en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va essayer de détecter les zones les plus difficiles à dessiner. Donc je vous ai préparé un petit doc avec une photo de squelette. Donc vous avez cette partie-là, les épaules, le cou, la clavicule. Ensuite vous avez ici aussi le bassin dans lequel vient de se nicher la colonne vertébrale et ici ces deux gros os là, les fémurs. Et après les mains, les pieds. Et également vous avez cette partie-là qui est la cage thoracique. Je vous propose de commencer par la base, donc le squelette. Et c'est un élément essentiel à étudier en anatomie artistique car les os créent la structure interne du corps et c'est un échafaudage sur lequel s'attachent les muscles et les organes. Une façon d'imaginer la relation entre le système squelettique et le système musculaire est de penser que les os sont le matériel et les muscles, c'est logiciel. Sans le matériel, les logiciels ne peuvent pas fonctionner. Donc il s'agit ici de bien observer le squelette et les os qui le composent pour être en mesure de les détecter sous la peau quand vous observez un corps nu ou bien quand vous dessinez pour créer un personnage. Là, je vous ai trouvé une petite photo justement pour illustrer ce cas de figure. Vous voyez ici, on devine les côtes, ici l'os du coude, ici l'os du genou. Voilà. Donc ça va vous aider un petit peu à les détecter et puis à bien les placer. Voilà. Quand on observe le squelette, on voit tout de suite que c'est une structure complexe et composée d'environ 206 os. Et ces os, on les classe par famille pour s'y retrouver. Et du coup, vous avez donc quatre sortes d'os. Donc vous avez les os longs, les os courts, ici. Vous avez les os plats et les os irréguliers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'effort pour plus de précision. Alors vous pensez sans doute que le mieux est de dessiner le squelette dans son ensemble, oui, sur le plan théorique, mais dans la pratique c'est très très long et ça demande beaucoup d'efforts pour un résultat moyen. Parce qu'en fait vous allez dessiner 206 os du premier coup. Donc si vous dessinez tout le squelette, il y aura 206 os à dessiner, ils sont tous différents. Donc c'est long, fastidieux, c'est fatigant, c'est pas très agréable. Du coup j'ai cherché à optimiser au mieux l'effort fourni et le résultat. Alors voilà, j'avais fait ça. Bon, la cage thoracique, c'est pas évident à appréhender. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite un petit peu sous plusieurs angles de vue. Là, vous voyez, bon, ça c'est des dessins un peu plus poussés, des enchaînements d'os, des grands os, des petits os, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer et dessiner sans trop se prendre la tête avec les proportions. Parce que d'une part, en dessinant, vous allez les intégrer automatiquement, et d'autre part, même si nous avons tous les mêmes types d'os, les variations de ces os font que chaque personne est différente des autres et unique. Une personne peut avoir une mâchoire plus large, une grande cage thoracique et une autre plus fine avec une cage thoracique moyenne. Et vous pouvez aussi le remarquer sur la taille des personnes. Vous avez des personnes de très grande taille et donc du coup elles ont un squelette plus fin, des os plus fins mais plus allongés. Je vais faire trois dessins de trois os différents et puis vous verrez un peu comment on s'y prend et puis vous pourrez faire la même chose chez vous. Donc je vais commencer par un os très simple à dessiner. Et en fait, quand je vous parlais de structure, c'est que... Alors là, s'il est... Je vous fais vite fait le schéma. Et comme ça. Quand vous allez dessiner, imaginez l'os en trois dimensions. Donc... Quand vous allez faire deux traits parallèles, en fait, il s'agit de faire un cylindre. Voilà, donc c'est une sorte de cylindre avec sur lequel vient s'accrocher une sphère. Et ici, la fin de l'os est en volume aussi. Voilà, donc en fait, pensez vraiment quand vous dessinez,
pensez vraiment et visualisez en 3D. Voilà. Donc, vous devriez être capable de le dessiner, quand vous l'avez dessiné comme ça, vous devriez être capable de le dessiner dans ce sens, par exemple. Voilà. Donc après, vous pouvez vous amuser aussi à ajouter les ombres. Enfin, ça dépendra de, ça dépend de votre niveau, mais vous pouvez vous amuser après à travailler le volume en ajoutant les ombres. Donc je vais en faire un autre. Et là, un peu plus complexe, il s'agit du bassin. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré. Là, ça c'est l'endroit où va se ficher l'os du fémur. Donc ce cercle-là, cette boule-là, ici, va se rentrer là-dedans. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, de toute façon, ça sera mis dans la description aussi de la vidéo. Moi, j'ai acheté une application dans laquelle le corps est modélisé en trois dimensions. Donc, c'est pas mal justement pour explorer un petit peu, pour bien comprendre des formes un peu comme. Enfin, pour bien comprendre la structure et les formes complexes comme ça, par exemple du bassin. Donc là, je continue, je vais dessiner cette partie-là, donc bras. Donc on a 1, 2, 3 gros os, plus des petits os, mais disons que là, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette partie-là. Voilà. Mais après, je résumerai vite fait celle-là. Là, je vais dessiner une vertèbre. Voilà, c'est une forme quand même assez particulière, donc c'est bien de la dessiner. Donc, commencer par essayer de résumer en forme simple. Voilà, directement en trois dimensions. Même si vous avez des endroits, des zones un peu plus. Enfin, vous allez voir, mais si par exemple vous vous rendez compte que cette partie-là est trop petite par rapport à ce qui va être dessiné là, c'est pas grave en fait, comme je vous disais, pour l'instant les proportions s'en fout un peu. Ce qui est important ici, c'est de comprendre la structure des os en trois dimensions en fait. Voilà, donc c'est à vous maintenant. Vous pouvez télécharger l'activité et commencer à dessiner. Donc vous retrouverez dans cette activité plein de photos que vous pourrez recopier, un petit peu comme vous avez vu dans la vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça efficace et est-ce que vous voyez des améliorations dans votre dessin, dans vos dessins. Et merci à ceux qui mettent des pouces bleus, ça m'aide à savoir si ça vous plaît et pour en faire d'autres. Voilà, bah, à très bientôt.